Moi, c'est Antoine. Et ça, c'est le menu spécial Noël. La patate de Noël. Ça, c'est bonne patate. Ça, c'est abricot sec, des dattes, des figues. Ça, c'est Bruno. Ça, c'est des noix. Ça, c'est du amande. Ça, c'est pistache, des carottes. Et une patate douce. Des oignons, du coriandre, l'huile d'olive. Le bouillon, du sel, du poivre et du piment. Je prends la patate et mets dans la cocotte. Je mets dedans, mets de l'huile, comme ça. 4 cuillères d'olive, 2 pincées de sel dans la patate. Et on met la casserole dans le four et je ferme de s'entourer pendant 20 minutes. Maintenant, il faut éplucher notre légume. Alors, je vais prendre une carotte et je fais comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est une patate douce. Allez, il y en a un peu comme ça. D'abord, je coupe les carottes et je coupe le bout comme ça. Et après, je coupe petit morceau. Et voilà, ça, ici. C'est une patate douce, c'est pour couper les tranches. Voilà, un rond comme ça. Ah, ça, c'est pour le protéger. La main, comme ça. Je suis d'ici. Les oignons. On coupe comme ça. Et après, on coupe comme ça. Là. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. La patate est prête. Dans la cocotte, je mets ici. Bah, super belle. Bien doré, bien formé, impeccable. Alors, c'est un fruit de abricot sec. Je le mets autour de la patate. Un par un, comme ça. Alors ensuite, ça c'est de la figue. Et pareil, le décor. C'est la figue. Hop, hop. Il faut le Bruno. Et ça remet dedans. Alors ensuite, ça c'est de la dade. Tac. Les fruits, les patates, tout ça. Ok. Maintenant, il faut bon légumes. D'abord, les patates, les carottes, les oignons, tout partout. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, il faut quand même du cumin, du poivre et du sel. Tout d'abord, du sel. Voilà. Un ou deux cumin, comme ça. Voilà, nickel. Du poivre. Voilà. On prend de l'eau. Voilà. Un petit bouillon. D'abord. Tac. Je mets bouillon dedans. Et je ferme. D'abord, appuyer, mais au fond, c'est pas neuf. Et je fais le bouillon et de l'eau dedans. Alors, je fais ça. Je fais un petit bouillon pour rétrécir le jus. Je reste comme ça. Le jus de bouillon et mets tout partout le jus impeccable. C'est du Mozart, c'est du classique. Rien que du bonheur. On met dedans ça. Du sang duré une heure. Amande, je fais comme ça. Magnifique. Je mets autour, comme ça. Et ça, c'est du pistache. La noix, c'est beau. Voilà. Je vais mélanger, comme ça, voilà. Alors, ça, il faut chauffer. Et je ferme. Ça, 5 minutes. On a dans le sac cuir. Et je ferme après. La recette de crevettes du stack à 3 grammes. Avocat. Crevettes. Le marine Ménès, oui. Ketchup, pimenté, crème fraîche, zéro feuille. Et bien sûr, un citron, un couteau, on coupe et on pêche le citron. Voilà, le jus impeccable. Un petit foulard que vous bien couper plein milieu. Attention. Oh, je suis trop fort. Voilà, boule de Noël. On coupe. Voilà, avocat percé, avocat dans la machine. Voilà, et le jus avec. D'abord celui-ci, et la troisième ici. Fais gaffe, comment ça s'arrache. Alors maintenant, la reine fraîche. Ça, c'est le premier parti. Et voilà, rose pâté. On se coupe pas. La reine fraîche terminée.
Maintenant, les couvercles. Une minute. Et je pose ici. D'abord, ben, je laisse qui chauffe dedans. Oh, c'est beau. Un flan, c'est magnifique, un flan magnifique. Sauce côté. Bien. Voilà la bonne crevette. D'abord, faut quand même couper la tête. Pas tirer la queue. Voilà. C'est pas mal comme ça. Ananas. D'abord, je coupe le chapeau parce que c'est pas terrible. Allez. Voilà. Et ouais, à bobelle. Maintenant, on retranche. Alors ça, c'est pour découper autour de l'ananas. Plein en centre d'ananas. Un main ici. Voilà. Maintenant, tirer la peau. Oh, c'est facile à faire. Voilà, je tire comme ça. Et c'est nickel. Je coupe comme ça. Et après, on coupe là. Tac. Voilà, top 50. Tac. On secoue un peu. Après, je mets le cocktail. Voilà. Ici. Deux petites crevettes ici. Voilà. Et ensuite, l'ananas. Voilà. Un petit feuille. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors, bien doré, bien au four, avec calme. Oh, oh l'odeur. Oh la vache. Oh, faut que tu vois. Ouais, oh, du gagnant, c'est excellent. Hop. Et voilà, le plat est excellent. Joyeux Noël et bon appétit. Grâce à Antoine qui a fait les entrées et le plat express pour Noël. Voilà, j'aime YouTube. Abonnez-vous bien sûr.